méchant leader de l'organisation terroriste qui sévit dans la région. Bouh, les pas beaux. Donc, nos potes américains qui sont fort sympathiques nous ont prêté des véhicules. Arrêtez d'appuyer sur Y. Pardon, je cherchais Mathieu, désolé. Donc, vous avez à votre disposition deux MVI, que vous pouvez voir juste derrière, armés de mitrailleuses fixes calibre 50 et un petit camion de transport. Donc, dans ce camion de transport, vous devrez capturer des cibles. Donc 4 au total, les menotter et les embarquer dans le camion de transport, à l'arrière. Donc jusque là, pas de question. Oui, non. Non. Ok. Donc, comme vous pouvez voir sur votre carte que je vous invite à ouvrir, vous devrez suivre le trajet par des flèches bleues. Les points noirs représentent la localisation exacte des cibles à capturer. Donc il y a 4 points noirs sur la carte, normalement, que vous voyez. Et vous devrez suivre le trajet fait par les flèches bleues pour rejoindre le drapeau bleu. Et une fois que vous aurez rejoint le drapeau bleu, vous serez considéré comme en sécurité et mission accomplie. Bien, j'ai une question. Oui. Si je peux. Est-ce qu'on est obligé... Enfin, pourquoi... En fait, est-ce qu'on est obligé de suivre le trajet? Je veux dire, il y a des montagnes. Bon, ok, d'accord, on n'est pas en escalade ou autre, mais... Il y a des montagnes, on ne pourrait pas tout simplement couper par les montagnes pour arriver directement au poste de contrôle. Techniquement, vous avez des véhicules, vous n'êtes pas censé non plus faire. Il y a une route, je sais pas, vous êtes censé la suivre, techniquement. Ouais. Et c'est une patrouille aussi. On suivra la route alors, ça marche. Bon, alors, la première cible se trouve tout près d'ici. Attention, présence de civils sur les différentes zones. Je vais pas vous le cacher, à mon avis, une fois que vous aurez capturé la première cible, les autres seront alertés, et donc leur sécurité sera renforcée, sans aucun doute. Ces cibles ne sont pas armées, on est bien d'accord. Les cibles ne sont pas armées, nous sommes d'accord. Elles sont quand même gardées par des mecs avec des flingues. En général, la plupart du temps, oui. Du coup, moi j'aimerais bien que tout le monde est silencieux, comme ça on évitera de se faire repérer. Est-ce qu'on a des infos sur le nombre d'ennemis qui gardent chaque cible par hasard? Plus ou moins. Une petite dizaine d'ennemis sur chaque cible. Ah oui. Bon, mais pour moi c'est tout. Même si c'est pas trop à moi de poser des questions. J'ai pas de questions, je vais pas en poser. J'aimerais juste que tout le monde aille chercher des silencieux. À part sur les MG, parce qu'il peut en mettre. Normalement, Akai peut en mettre avec sa version de mini. J'ai un des cheveux. Et tu peux avec la 556, tu peux en mettre. Yoit, tu fouilles bordel. Oh là là. C'est dégueulasse. Tu perdras encore plus en puissance de feu, quoi. On n'a pas des masses avec celle-ci. Ouais, j'ai pris pas masse. Vas-y, que je te mets des. Toutes les séances se sont pas masse. Hein. Essaye de garder un semblant de convoi quand même. Parce que je suis en train de configurer ma radio en fait. Ça fait un vieux contre-jour dans le pare-brise avec les phares. Ouais. Les gars, où est-ce que vous allez? Je suis moi. Cible à capturer, je vous rappelle. Il y avait un point sur la carte, mais c'est pas grave. Je vous ai dit plusieurs. Bah, moi j'attends les instructions. Tiens, il est juste au-dessus. Pardon, hein. Il est au-dessus de nous, rap. Quand je dis on s'arrête de point, ça veut dire on s'arrête de point. Chenir, la cible est juste au-dessus de la deuxième Jeep. Chenir, c'est pas mal où est-ce qu'il nous a arrêté. Bah, parce qu'on a un autre visuel sur le village en face, et s'il y a un seul mouvement, on peut arroser alors. Caméo, tout ça, descendez. Sécuriser le bâtiment. Capture la cible qui est en train de passer des pouces sur le toit. C'est pas la cible qui est sur le toit, les gars. J'ai mis des points sur la carte avec la localisation exacte. En fait, on a regardé votre carte. On va tout faire. On y va. C'est le monsieur qui est là? Ouais, peut-être.
Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ouais. Il marque de manière exacte sur la carte. Ok, ok, ok. Vas-y, un peu. On pourrait essayer. Put your hands where I can see them. No. Let's talk about this. Don't you fucking move. Yeah, c'est lui. Maybe we. Here's an idea. Maybe you go. Regarde, prochain village, on a des mecs armés. Arrêtez d'insulter, c'est possible. Derrière, on a raté un mec, non? Je crois que. Non, c'est le pont que j'ai mis pour qu'on s'arrête un peu avant. Ouais, c'est un peu fucked. La cible en visée, tirez pas. Ouais, ça. Ça fait bien John Mamadou. Vous êtes en état d'arrestation. Parce que vous êtes moche, monsieur. Comment on fait pour le. Me noter? Attends, je fais. Double insert et capture avec... prisonnier. Ouais. Non, c'est plus insert maintenant. C'est bon, j'ai. Vas-y, fais-le te suivre. On peut lui attacher une. Vas-y. Chenir, on a un contact lance-roquette dans le prochain village. Il vous a vu ? Pardon ? Non, il nous a pas vu. Que le prisonnier soit chargé dans le camion à l'arrière. Et pas celui-là à l'arrière. Le prisonnier est sécurisé dans la voiture. Ok, Chenur, est-ce que quand on va avancer sur le prochain village, on aura autorisation de tirer sur les contacts ennemis? Uniquement si vous êtes repéré. Non, parce qu'en fait, discret quand même. Parce qu'en fait, on est à peu près à 300 mètres du village et il y a un mec en roquette qui nous tourne le dos. Alors, si on s'approche avec les phares, ça va être un peu spot, non? Il faut aussi s'approcher sans les phares. Oui, mais le moteur du véhicule. C'est pas fou. On va se regrouper déjà. Tout le monde se regroupe sur la première voiture. Peut-être moyen, tu sais, de. De comment dire, genre faire une avancée silencieuse et t'envoies un MV vers la fin pour supporter l'assaut. Ouais, c'est ce que je comptais faire. On va laisser le véhicule là, on va progresser une escouade de chaque côté de la route, en section, pardon. Interdiction de faire feu. À part si on est un petit problème. Bien sûr. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on laisse un mec ou deux au MV au cas où? On tire que en légitime défense, quoi. Pour l'instant, oui. D'accord. Si vous avez un contact, vous annoncez et on verra si tu as la situation, si on fait feu ou pas. Ok, on va laisser les snow, personne sur les... surveiller les MV à la Type 50. Mm-hmm. Ouais. Si il y a des contacts qui s'approchent. Ouais, je vois, t'as fait que machin, c'est Evan. Ouais, t'inquiète pas. Bah ouais, Yann, tu veux devoir y aller, hein, t'es un médic. T'es un médic. Je préfère que ce soit. Quelqu'un d'autre plutôt que le chef de section. Ah, moi je veux bien. Je pourrais me ramener je une MG. Avec quelqu'un. Bah vas-y, bah reste là au pire. J'ai rien compris ce que tu veux que je fasse. Bah, va avec. Vu que t'es médecin, Yoed, va avec des squads. Ah ok. Psyx, c'est pareil. Je monte, Yoed. Non, moi 74, tu vas avec des squads. Je vais rester là du côté de la route et je compléterai la section qui est en augmentant. En gros, c'est ça. Est-ce que tu peux juste descendre du véhicule et me spot avec un TMET si t'en as un et les mecs qui sont en face? Parce que logiquement, on a un contact au lance-roquette en face de nous. Genre sur un petit escalier au centre du village. Ah merde, j'ai pas celle avec la thermique, tant pis. Attends, je te passe la mienne. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est. Bien, effectivement, même moi j'y viens, tu peux avoir. Section rouge, prenez par la droite et je vais prendre. C'est la section verte qui laisse un homme derrière, c'est ça? Exact. Ouais. Bah, du coup, je vais prendre à gauche avec la section verte. Ok. Ou c'est qui derrière? On va laisser Pingus parce qu'il est infirmier. Laisser où? Pingus. Ouais. Reste derrière. On laisse personne derrière. On laisse qu'une seule personne. Vous avez un infirmier ou les deux?
donc à part le contact au 138, j'ai aucun autre contact pour l'instant. Rap. Ouais. Tu veux que je fasse quoi là? Qu'est-ce que tu m'as dit? Chaunure, il veut laisser quelqu'un derrière, donc j'ai pensé à toi vu que t'es le médic. Non, c'est les verts qui laissent quelqu'un derrière. Toi, tu fais okay. Bon, bah, ok, ok. Ok, donc nous on passe à droite, Chaunure, t'es rouge. Ouais, les rouges à droite. Putain, mais éteignez-moi, c'est fort. Il y a un seul connard qui a réussi à pas être à quoi se faire. Bah, c'est moi le connard. Les rouges, réunissez-vous là, venez. Pagus, viens. Il est où, Caméo? J'arrive, j'étais dans le fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser par les bois là. Donc je sais pas si vous avez entendu Chaunure, on tire pas en fait. On tire que si on se fait repérer et qu'on se fait tirer dessus. Ok. Compris. On est prêt à bouger. Ouais. Ok, les verts sur moi. On va avancer sur vous, la gauche. Michael, passe juste derrière moi, les snows tu seras derrière. Fingus avant dernier, Caméo dernier, ok. Ok. On y va. Continue à te spotter, Kylian. Vas-y. Yolt va rejoindre des verts à l'avant. Okay. Je reste à l'arrière avec Kylian pour vous couvrir au MV si besoin. Je vous préviens, avec la colline, je vois absolument pas ce qu'il y a à gauche du contact, dans le creux. C'est ultra dégagé, on va se faire cramer. Chez nous, ils ont pas de vie nocturne un peu, ça paraît bon. Là, on a une bonne position là où on est. On peut même vous couvrir. Position, monte pas plus haut. Ok, on reste là. C'est pas la peine de prendre des risques pour rien. Il y a du monde là-bas. Il y a un bataillon, 4 hommes qui arrivent en plein milieu de la route. Ah ouais, une patrouille de 4 hommes en plein milieu de la route. 115 à peu près. Quatre hommes avec mitrailleuse et AK-47. Je les ai en visuel. Vous voyez autre chose? Que vous êtes chaud pour les éliminer? Ouais. Ok, donc on va bien choisir. Les snows, tu me prends le dernier, Michael le premier. Moi je prends le deuxième et on élimine tous l'avant-dernier, ok? Ok, on se tient prêt, Chaunure. Véhicule. Ah, véhicule. Avec une batteuse. Avec une mitrailleuse. Il vient vers nous. Enfin, sur la route, quoi. C'est toujours pas spoté, donc attends. Non, il se garde dans le village. Ouvre pas le feu, Kylian, tant que tu n'es pas devenu. Bien sûr. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Vous avez vos cibles? Feu. Kylian, c'est toi qui ouvre le feu. Non, négatif, c'est la section rouge qui ouvre le feu. Merde, la batteuse avance vers nous, je crois. Tirez sur le véhicule. Oui, Ok, la patrouille est éliminée et le véhicule se barre. Le mec de la batteuse, je l'ai, il est mort. Ça explique le pilote. Ah, je vais attendre mon ordre, on tirait. Mais... Ouais, je sais, mais il s'avançait un peu trop. Pour chef de peloton, est-ce qu'on arrive? Le mec à la 12-7 à l'arrière du pick-up est mort, hein. Il reste plus que le pilote. Ok, c'est bon, le dernier gars de la patrouille. Ah non. On arrive d'ici 30 secondes. Avance. Ok, on avance. On avance, je veux dire. Éteins ta lampe, je sais pas c'est qui. Ok. Pardon.
Rap, arrêtez-vous, on a une EMG sur un balcon. Va le tuer. Tu me dis quand. Nickel, check la gauche. Les maisons. Il y a eu un tir. Ça nous tire dessus. Là. Attendez, vous avez le droit de tourner le feu. Ok, compris. N'oubliez pas les gars, il y a un VIP à sauver. Hein. Ouais, vas-y. Oh putain, tu m'as fait peur. Ok, on avance. Faut arroser à droite. Attention! Sur la droite, sur la droite. Ah, c'est dans le village. Ouais. Je me suis pris une balle. Bah, moi aussi. Qui c'est qui s'est pris une balle? Moi, je me suis pris une balle. Attends, bouge pas. Attends, va se mettre à couvert. Ouais. On élimine plusieurs gars dans les maisons. Attends, attends, je peux faire un diagnostic. Je suis Mickaël. Ouais. Putain, heureusement qu'on l'a vu l'autre. Ok, y'a rien en haut. Je monte à l'échelle. Ok. Escouade verte, je monte à l'échelle, me tirez pas dessus. Fais gaffe, escouade rouge, il y avait un contact qui venait vers vous par l'est de la ville, à droite de la route. On l'a abattu. Ok. Putain. Ah, restez vigilant quand même. Et où? Pingus, je crois que je suis touché. Ok, j'arrive, soigne les snow, j'arrive. Scout vert, on va sécuriser les deux bâtiments qui restent. J'en veux un qui va avec moi sur le bâtiment là en face et les deux autres qui vont sur le bâtiment. Au milieu de la rue. Tirez dessus, Scout vert. En mouvement. Ah bah bravo. Pingu, je suis sur un toit en fait. Chenur a été abattu, tire raison. Sur quel toit? Un toit de la maison qui est juste de face à la route. Tu vois la Jeep là? La maison qui est à sa droite. Ouais, section verte, et monsieur, vous allez inspecter le bâtiment à la droite. Je traverse la route. La forêt, là, sur le flanc de la colline à droite, il y a du monde. Et j'arrive. Ah, au moins. C'est bon, j'ai tué le tir de chenille. On a un blessé là. Je suis de retour. Toutes les maisons ont été sécurisées. Fais gaffe. Ouais. Attends, là, je me fais soigner et j'arrive. Oh là, mais toi, t'es armé toi. Je crois que c'est VIP. Mort. Le mec, il a eu chaud. Derrière lui, il regarde pas. Ouais, ça va avec lui. Gaffe, les maisons sont pas sécurisées. Squad vert, les deux maisons que j'ai demandé de sécuriser, elles ont été sécurisées. Pas encore. Vas-y, je vais. Je veux des personnes qui montent dans le lobby qui est venu jusqu'ici, qui vont chercher les véhicules restants. Bah, j'y vais. Ok, je veux bien aller. Il nous faut juste 3 personnes les gars. On a un véhicule là-bas donc. De toute façon, peut-être en place là. Mouvement. À votre droite les gars, bougez, bougez, bougez.
horizon sud-sud-est. Attends, attends, deux secondes, il y a Mika qui monte. Moi sur les pieds, je te dirais rien. On a tout le monde, c'est bon? Je crois que j'ai eu un contact là-bas tout à l'heure, attends. C'est parti. Ouais, je crois. Excuse-moi. Non, c'est bon. Tu feras gaffe, Chenir, il y a une sorte de forme assez étrange qui ressemble à une forme humaine. Tu vois le petit village sur ta droite, bah encore plus à droite, il y a une sorte de buisson qui a une forme humaine, fais attention à ça. C'est pas grand monde. Attends, je vais nous déplacer. Vas-y, vas-y. Là, tous les coups, je vais écraser. Et on avance à couvert des MV vers le prochain ville. Ah, s'ils se mettent à droite et à le gauche. Le véhicule qui transporte les prisonniers reste ici. Mettez-vous de l'autre côté, mais qu'ils se mettent à gauche. Éteins tes phares par contre. Ok, on est parti. On a du contact devant également. Mettez-vous à gauche, sinon ça sert à rien, on vous couvrira pas. Y'a un mec qui est sorti par la droite, hein. J'ai pas eu le temps de l'avoir. C'est pas la peine d'éteindre les phares, clairement repéré. Qui s'est bonjour, on vous apporte la démocratie. Ça va, Yon, t'as pas trop mal. Si, je sais. T'es fait écraser. À droite. Mais faut qu'on bouge, on voit que dalle. Je pense qu'on peut avancer, Chenir, il faut faire attention. On a porté, vous pouvez avancer, on vous fait un tir de soutien et... On est combien au sol? On est deux à droite. On est cinq, du coup on va faire une seule escouade. Tu veux pas un MJ faire la gauche? On part sur la droite. Avance pas trop, Miguel, parce que si un lance-roquette, c'est pour nous. Je sais pas qui s'avance, mais t'avances pas trop là. Je recule jusqu'à l'ancien village. Attention, sur les toits, hein, on a des voitures électriques là. Ouais. Des automatiques, pas besoin d'embrayage. C'est ça. Infanterie, on va essayer de passer par l'air. Ça sent pas des rochers. Hein. Ouais, justement. Ça sent la vieille embuscade. Ça sent le vieux mec. Autorisation RPG, de couper les lumières. Ouais, ouais. J'ai mis notre homme vie à droite en surplomb pour couvrir l'infanterie en sortie du village. Ah, ok, bien reçu. J'ai un contact civil. Je pense que c'est la cible. Ah, dans petit le peu. Bâtiment juste là devant moi. On va avancer dans le village, je suis très prudent. On a peut-être encore des contacts. Je vois rien, de toute façon je vois des maisons en bas mais je vois pas de mec. Regarde à gauche parce que là ils descendent la colline, ils nous flanquent mais genre correct quoi. Ça a l'air d'aller. On se sévère dans le village là. Véhicule en approche sur la route. Où? Ok, le MV. Et on a un véhicule en approche. Merde, ça. Un deuxième véhicule, il est sorti de la route. Ok, je crois qu'ils sont morts, hein. On est à court de munitions.
se replie, on repart en derrière ligne. On en est à combien niveau munitions nous? On va devoir piquer un nouveau chargeur. J'ai encore deux chargeurs. Le village est sécurisé. On se regroupe sur la route. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec une qui prend un avis qui aille chercher le véhicule de. Pour le prisonnier. Je suis bon. Voilà. Oh, ça bouge. Il est mort. C'est qui tire là? Un mec à deux. Il tire sur quoi? Ah, je suis touché. Il y a terre, il y a. Rappé touché dans la voiture. Il y a encore un contact. Je peux ouvrir le feu? Dans le. Dans un. Rappé à terre, on s'est au-dessus par un sniper. C'est feu bon, t'es parti en même temps. Ta batteuse elle marche? Elle marche ta batteuse ou pas? Oui, oui elle marche. Ok c'est bon. Qui prennent au moins une personne et qui aille me chercher le véhicule pour le prisonnier. Ouais rap et décide. Attends je voudrais bien essayer de te piquer. On va pas te piquer de munitions. Exactement. Bah, le mec, attends stop. Il va chercher le. Je sais pas comment s'appelle le camion avec les prisonniers. Bah je suis prêt à partir, j'attends juste que des gens viennent. Conduire les autres, le dernier véhicule. Merde. J'arrive. Angus, va la batteuse. Oui, je me suis trompé. Ok, on est plein tension derrière vous. Reculez. Voilà. Reculez, les gars, dégagez. Il a pris une tête directe. D'ailleurs, le deuxième véhicule qu'on a abattu, c'est un mec ou pas qui est... Il est où ce mec? Bonjour. Au moins de contact, vous aurez le feu. Il y a moyen qu'on va ralentir un petit peu l'MV, on est en train de sprinter, on va pas tirer si besoin. Ouais, un petit peu plus. Faites gaffe, au buisson à droite, il a miné les RPG. Rien. Rap, regarde bien de partout. Les dummies, vous allez vous arrêter à l'entrée du village. Contact. À deux feux, il est éliminé. 200 balles pour un gars quoi. Bande de bourrins. Le MV avance un peu plus, ça vous avez pas une super bonne vue sur mon village là. J'ai été touché, il va falloir que je me fasse soigner. Non. On peut avoir un autre chauffeur qui gagne et qui se fasse soigner. Quelqu'un m'en place les gars pour MV, il faut que je fasse soigner. Quoi que je peux peut-être même. Personne n'a de contact dans le village? Non.
Rien de mon côté. Ok, je vois deux personnes qui ont sécurisé la petite maison qui est devant nous là. RS. Ouais, c'est clair. Azimut 148, derrière le mur, il y a quelque chose de blanc qui dépasse. On dirait un toit de voiture. On dirait une voiture, un véhicule. Bah, je confirme, c'est une voiture, je la vois. Ouais, c'est pas ce qui me semblait, faites gaffe. Tu vas reprendre la place de conducteur, Kylian? Mais je la vois que vraiment que le toit, je vois pas s'il y a une NG dessus. Non, négatif, y a pas de MG. Wow! Au micro, les gars, attention. Pour info, je reste à droite un petit peu en hauteur dans la colline pour vous couvrir si besoin. Ok, bien. On peut couper les lumières? Ouais, couper les lumières, ouais. Je crois qu'on a roulé sur quelque chose. Oui, moi aussi. Si ça fait ce bruit là, des morceaux de fougère. Combien d'unités au sol? Ah putain, y'a un qui est couché là. Approximativement 8. Oh, comment il a volé? À droite. Okay, en face, tout droit. 4 sur la gauche. Ok, le tir il est en face. Ah, tu l'as eu, c'est bon. C'est moi qui. Putain, le coup de panique là. J'allais reprendre mon gunner. Je vais sur la gauche avec Silex. J'étais tranquille, je vois un petit mec couché, je le marave, d'un coup ça commence à bouger. Garde-moi sur la gauche, tu m'en feras de plus. J'arrive. Okay. Vous ferez gaffe à droite, il y avait un contact dans la maison Azimut 185. On l'a eu. Non confirmé qu'il soit éliminé. Ah, ok. Et faites bien gaffe avant de tirer, que les contacts soient armés. Ah oui. Ah, mais enfin bon, on a JVN, on voit rien de loin. Pas le problème. Moi je sens JVN. Vu que je filme sans, on verra que dalle. Putain, je le sens pas. Là, y a un mec qui va sortir, ma gueule, à la voix de bas, on va se récupérer. RPG, boum. Faudrait qu'on prenne un peu plus à droite. Il y a eu des tirs. C'est tir dans la route principale. Entre les deux maisons. Calé ou quoi? Qui a lancé la fusée, c'est de chez nous. Oh merde. Depuis tout à l'heure ils en lancent. Ils vont appeler enfin. Donc ça pue. Puisqu'on est tout seul de l'autre côté là. Ouais, on a pas de soutien. Lui il est. Regarde juste la carte. Il reste encore deux contacts au milieu. Apparemment il y avait un RPG. Vas-y au pire prends les revers. Vous savez sur la droite? Il y a éliminé, mitrailleur sur le côté gauche de la route. Wow, bouge. Il est dans la baraque là. Bouge. Ah, putain, recule. Ah merde, putain, j'aurais pu l'avoir par la fenêtre. Je descends, on va le sécuriser. C'est bon, je l'ai éliminé, c'était un mec qui partait. On a besoin d'un médic ici. Besoin d'un toubib au deuxième MJ. Chogno est à terre. Et je vais me débrouiller, couvre-moi l'esprit. Ouais, t'attends, c'est quoi sur toi là? Gaffe, le point est pas trop loin pour le mec à choper. Putain, le gars il m'a mis une balle dans le torse quand tu m'as dit accélère, je les prends plein dans la gueule la balle. Oh. Mais c'est ton pistolet à toi qui fait la race de bruit là. Ouais, c'est le 5-7 mon gars, je lui ai mis le chargeur en plein dans la gueule. Ah, mais putain, moi je pensais qu'il avait, je sais pas moi, un PKP qui m'a ramé. Ah, il avait une AK-40. J'ai vu ma vie défiler. Oh non, t'inquiète pas.
Putain, c'était mes deux derniers bordages, bah putain. Putain, la maison toute seule à droite, je la sens pas. C'est pas là où il y a le VIP ? Bah si. Ah, donc on reste sur elle. Ah, attention, on monte sur les toits, les gars, ne tirez pas dessus, s'il vous plaît. On va se déployer dans l'autre sens parce que là, on couvre rien. Dans la maison du VIP, là y'a personne. Pourquoi il dit ça? Quelqu'un a trouvé la cible. Vous l'avez pas buté par hasard? Impossible, les deux mecs étaient armés. Nous on l'a pas buté, ça c'est sûr. On était dans la maison, là, le côté du village. On est pas un cadavre. Il est là, il est là, il est là. Je l'ai. Il dit, je crois que vous avez un problème. Je sors le. Couvre la route, hein. Je vais nous remettre à l'intérieur du village. Parce que là, léger problème, je sens le gros T90 qui arrive sur la route. Un T90. Carrément. Le village est sécurisé. Pour le moment. C'est pour ça. Du coup, Sonur. Qu'est-ce qu'on décide, Sonur? Bah, faudra retrouver ce camion. Ça serait bien. On fera la recherche du camion. Bah, avec moi, c'est peut-être n'importe où ce camion. On va se rassembler au village, au dernier village sécurisé déjà. Selon la map, là, vous voyez là, le pâté de maison. Sur la droite du pâté de maison, il y a deux mecs. Dans Isère, là-bas, azimut, direction plein nord. Plein nord, azimut 340. Ils ont balancé une fumée ou je sais pas quoi, je vois la fumée. Peut-être qu'ils sont là-bas. Ils doivent être là-bas, quand même, avec les otages, hein, Chouli. Ouais, puis il y a des tirs traçants. Non, non, il y a des ennemis, hein, là, on est. Sur l'ancienne position, on est attaqué. Gaffe, doucement au coin, doucement au coin. Dernier village sécurisé. Dernier village sécurisé, bon, bah. Ah, j'ai encore pris une balle, quoi, ça me saoule. Et par où il est parti? Dans notre base? Wow. Putain, qui c'est qui a un vieil micro de merde avec son micro et qui sait pas configurer sa radio correctement, quoi. Allez, continue à pied, Kylian. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est rap qui a le bug des micros. C'est rap qui a le bug des micros. Dans tout bip sur le MV, s'il vous plaît, je prends une balle. Il y a encore un très jeune dedans. Tout bip s'il vous plaît. Ouais j'arrive. T'es dans le village au milieu là. À côté du MV. Ensemble au centre du village. Qu'est-ce qu'ils foutent les MV, tu vas où là? Je crois qu'ils ont cru qu'on retournait à l'ancien village. Ringus revient. Le dernier village sécurisé, c'est celui-là. Je peux pas voir du. Nickel. Bah t'es là sur la ligne. T'es là. Oh, il se calme. Non mais écoute. Sinon moi je te fais une piqûre et hein. Bah ça fait déjà deux piqûres que je me fais, hein, j'ai dû me soigner tout seul. Jambe gauche souffre légèrement. Et j'avais déjà de la morphine donc à mon avis ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on attend pour je faire la fête? On attend de retrouver nos prisonniers rap. On en a un rap, au moins hein. Il te reste combien de balles? Ouais, on a un prisonnier dans ma voiture. Ah si on l'interroge il pourra peut-être nous donner Il en sait rien à mon avis. Bah ça dépend, y'a qui parlera. Oh. Si on le torture, il parlera bien. Oh, tout de suite. Il ira pas où c'est, mais de quel. On est des Français les gars, pas des Ricains. Directement. Vous êtes bien sage dans la voiture. Bravo les snows.
vois rien.